Comment ouvrir mon premier compte professionnel? Vous souhaitez ouvrir votre compte courant professionnel, mais vous hésitez à cause des démarches et des coûts? Le compte courant professionnel, géré par un conseiller bancaire dédié, vous permet pourtant d'avoir une gestion comptable et fiscale claire. Il vous donne aussi accès à des services et des conseils adaptés à votre activité professionnelle. Je suis Julien, responsable développement commercial chez Société Générale. Je vais maintenant répondre à vos questions concernant l'ouverture d'un premier compte courant professionnel. Quelles sont les étapes pour ouvrir mon premier compte professionnel? Pour toutes les sociétés ayant une activité commerciale ou les professions libérales qui bénéficient du statut d'entreprise à capital social, type EURL, SARL, SA, SAS, la première étape constitue le dépôt de capital. Celui-ci dépend du statut d'entreprise choisi. Par exemple, si vous créez une SARL pour votre restaurant, le capital minimal de base sera de 1 euro. Durant cette période transitoire, la banque va ouvrir un compte provisoire pour recevoir ce dépôt. Deuxième étape, elle vous délivre une attestation bancaire. Grâce à cette attestation, vous allez pouvoir obtenir votre numéro Sirène et votre CABIS. Votre société est maintenant enregistrée. Dernière étape, vous ouvrez votre compte courant professionnel avec votre conseiller. Comment faire un dépôt de capital dans la procédure d'ouverture d'un compte professionnel? Tout d'abord, assurez-vous d'avoir les documents à fournir en votre possession. Pour cela, vous pouvez vous aider de la liste des documents présents sur le site du service public. Pour la création de votre entreprise, le compte de capital reçoit les fonds correspondant au capital prévu dans les statuts. Notez bien que les fonds déposés pour le compte de la société en formation sont indisponibles. Le compte est en effet bloqué jusqu'à l'immatriculation de votre société au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal. Si votre société n'est pas immatriculée, les fonds ne pourront être récupérés qu'au bout d'un délai de 6 mois, sous réserve du respect des modalités prévues par la loi. L'ouverture d'un compte courant professionnel est-elle obligatoire? Cela dépend de votre statut. Si vous êtes indépendant ou une entreprise, vos obligations ne sont pas les mêmes. Pour les entreprises, la création d'un compte courant professionnel est obligatoire. Pour les indépendants, non. D'après la législation française, elle n'est pas obligatoire, sauf exception, mais fortement recommandée pour des raisons comptables, fiscales et juridiques. En effet, ne pas pouvoir distinguer vos opérations personnelles et professionnelles est un risque pour la gestion de votre entreprise et pour votre patrimoine personnel. N'hésitez pas à en parler avec votre comptable. En quoi un compte courant professionnel est-il différent d'un compte bancaire personnel? Un compte courant professionnel est différent d'un compte bancaire personnel pour des raisons de tarification et de fonctionnement. Avec le compte courant professionnel, vous bénéficiez de l'expertise d'un conseiller pro et de services adaptés à votre activité. Solutions d'encaissement, crédit bail, crédit de trésorerie par exemple. Société Générale vous permet aussi de bénéficier de réductions sur les offres groupées de services si vous détenez à la fois un compte courant professionnel et un compte bancaire personnel. Faut-il ouvrir son compte professionnel dans la même banque que son compte personnel? Non, il n'y a aucune obligation. Toutefois, si vous ouvrez votre compte personnel et votre compte professionnel dans la même banque, vous bénéficiez de deux avantages principaux. Premier avantage, la simplicité et l'efficacité de gestion. Deuxième avantage, des conditions tarifaires privilégiées pour la gestion de vos comptes. Combien coûte l'ouverture d'un compte professionnel chez Société Générale? Société Générale propose la solution JASPRO, offre groupée de services pour la gestion de votre compte au quotidien. Vous pouvez souscrire à l'offre à partir de 38,50€ hors taxes par mois et bénéficier d'une réduction de 20% si vous détenez déjà un compte particulier chez Société Générale. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur la création d'un compte courant professionnel. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions.